cadre de sa stratégie globale de développement de la Côte d'Ivoire, dont la finalité est d'en faire un pays émergent, le gouvernement ivoirien a entrepris depuis 2011 un vaste programme ambitieux de renforcement et de développement du réseau routier sur l'ensemble du territoire national et notamment dans les grands centres urbains. Ainsi, dans la commune de Cocody, le boulevard Latrille sera prolongé jusqu'au CHU d'Angré sur une longueur totale de 7,3 km, y compris des avenues importantes qui lui sont rattachées. Il s'agira d'apporter une réponse au développement urbain dans les quartiers d'Angré, Abobo-Baoulé et Abobo-Té en garantissant la fluidité de la circulation, à l'accès aux services publics, notamment le CHU d'Angré. Pour aller, tu peux prendre 30 minutes pour arriver chez toi. Or, si le goudron est fait en moins de 2 ou 3 minutes, tu es chez toi. La route, c'est une piste. Et chaque fois, la pluie, ça gâte. Ça fait des trous. Quand on quitte la camion, quand on vient faire le goudron, je dois vous monter vers le terrain soudra là. Non, tous nos camions là, ça gâte. Tous les voitures là, ça gâte. Tous les petits chinois qu'on gagne là, c'est la voiture, on met sur les mains. Le prolongement du boulevard Latrille consiste à quoi exactement? Nous allons prolonger le boulevard Latrille entre le carrefour Petro-Ivoire, juste derrière nous, et le CHU d'Angré, sur un linéaire de 5,6 km. En plus de ce projet, nous allons construire deux avenues qui lui sont rattachées. Il s'agit en fait de l'avenue qui part du carrefour à Bobo-Baoulé, en passant devant l'église catholique Saint-Ambroise, pour se raccorder justement sur le boulevard Latrille. Et la deuxième avenue n'est rien d'autre que le prolongement du boulevard de la 7e et 8e tranche, à partir de la cité Geste aussi, pour se raccorder sur le boulevard Latrille. Le linéaire cumulé de ces deux avenues est de 1,7 km, ce qui porte donc le linéaire total de l'ensemble du projet à 7,3 km. Le profil en travers de ces aménagements est constitué d'une chaussée en 2x2 voies avec un terre-plein central variable jusqu'à 5 mètres et nous allons réaliser deux trottoirs de part et d'autre des chaussées. Il faut noter également que nous allons réaliser l'éclairage public sur l'ensemble du projet. La structure de chaussée se présente comme suit. Nous avons une plateforme de type PF2, 30 cm de couches de forme en sable argileux, 20 cm de couche de fondation en sable argileux stabilisé à 4% de ciment, 15 cm de couche de base en grave non traitée 0,31,5, 6 cm de couche de roulement en béton bitumineux. Quels sont les impacts socio-économiques de l'aménagement de cette voie? Nous avons plusieurs impacts positifs. On peut citer entre autres la fluidité du trafic qui sera donc désormais sur cette voie, la facilité d'accès aux services publics, notamment le CHU d'Angré. Nous avons également une réduction des temps de parcours et une amélioration de la qualité de l'air par la réduction d'émissions de CO2.